Sans transition, après avoir parlé de chansons japonaises notamment en termes de langue et de chansons de jeux nippons en langue étrangère, il faut aborder un point important jusqu'ici survolé. La chanson est aussi souvent écho féminin de son jeu. C'est le point de départ de Psycho Soldier dont la chanson titre « Chanson d'idole » raconte le personnage d'Athéna, future icône en jeu vidéo, j'en ai parlé avant, mais c'est aussi l'exemple d'Ico pendant Dragon Saga, Nier, Zone of the Enders 2, employant tous en jeu une langue étrangère ou imaginaire, et où le rapport homme-femme est assez central. Incommunicabilité voire amour dans Ico, tension sexuelle et joute d'ego dans Zone of the Enders 2, entre un ancien soldat et une révolutionnaire, père ou frère, l'homme pouvant varier mais pas l'héroïne à protéger dans Nier, ou encore jeune homme rencontrant une femme robot millénaire, ennemi mortel devenant allié dans Panzer Dragoon Saga. Bref, qu'elle relève ou non d'amour, la chanson peut consacrer cette relation et la rendre centrale. Dans Shadow of the Colossus, on trouve des chœurs d'hommes et femmes pour une histoire d'amour, notamment comme thème de combat. Ici, l'héroïne est morte et les chants sont dénués de mots. Dans Ico, tout le long du jeu, l'héroïne est bien vivante et on aboutit à une chanson. Shadow of the Colossus s'ouvre en cœur d'hommes et de femmes. Femme dévoilée puis dieu à voix mixte. La question d'un sous-texte par la voix serait à explorer. À mes yeux, la voix féminine assure souvent une part tragique dans nombre de jeux, à base de héros solitaires et cœurs homme-femme. Nier, Ico, Shadow of the Colossus, Zone of the Enders 2, Panzer Dragoon Saga, drame amoureux pour la plupart. Final Fantasy VIII explicite cela, ouvrant sur la chanson Liberi Fatali, essentiellement en latin, à tonalité militaire, dramatique, postulat du jeu de l'étudiant soldat, latin incompréhensible à la plupart d'entre nous comme le héros et l'héroïne qui ne s'entendent pas, mais langue que l'on peut apprendre si on fait l'effort, à l'instar de l'amour à venir dans le jeu, et langue latine vite symbole de destinée, résonnant avec le décor hyper mythique du jeu, les personnages de Nomura, Luna, Noctis, Sora, Cloud et le bestiaire magique archaïque, langue morte pour magie lointaine, cœur masculin-féminin annonçant l'évolution du jeu vers la Love Story, sorti 2 ans après le succès du film Titanic, bref, latin langue morte aussi pour un amour éternel, absolu, à la Roméo et Juliette, etc., aboutissant en fin de jeu à une chanson d'amour douce en anglais, intelligible, maintenant que héros et héroïnes se comprennent, Eyes on Me, chantée par la grande star d'Asie Fei Wong, Love Song dès le titre. À l'international, ce n'est pas aussi voyant sans doute que Céline Dion pour Titanic, mais Fei Wong, c'est déjà énorme, et Lara Fabian chantera pour le film Final Fantasy, c'est déjà ça pour Square, bref, je digresse. Liberi Fatali et Eyes on Me donnent lieu à des variations pour des scènes sentimentales sur la musique de Eyes on Me. Et des scènes dramatiques du jeu sur celle de Liberi Fatali. Liberi Fatali est composé de latin, mais aussi d'une phrase au sens caché, anagramme des mots Succession of Witches, l'héritage des sorcières, et du mot Love, faisant synthèse du parcours du jeu, de l'ennemi, de la sorcière à combattre, à l'amour, du latin à l'anglais. Le reste de la bande-son du jeu sera essentiellement muet, la chanson y est une soupape des sentiments, donnant à l'idylle une voix, incarnation du désir. En somme, s'il y a femme mystérieuse et ou histoire d'amour, le jeu japonais peut vite recourir à la chanson, notamment en langue étrangère. On l'a vu avec Silent Hill, Clockwork Knight, etc. Estoy soñando, sí, solo imagino, todo es real, ojalá que así lo fuera, es solo otro día. La chanson comme arme et ou attribut magique féminin n'est pas exclusive aux jeux vidéo, mais ce dernier lui fait une place de choix. Par exemple, dans Drakengard 3, aux 6 déesses Intoners, vénérées dans le jeu comme sauveuses,
utilisant la chanson comme arme pour sauver le monde des despotes. L'arme du boss final féminin géant de Drakengard, dans sa fin E, est également une chanson. Opening et ending pour action épique puis happy end. Départ efficace en brutalité pour une fin plus en douceur, avec majorité de voix de femmes donc, parfois cristallines. Réverbérée en langue inconnue ou informelle sur l'écran titre de Panzer Dragoon Saga. Chaos Légion. Voix dans laquelle je trouve des propriétés sonores maternelles peut-être pas anodines en début de jeu pour accueillir le joueur dans ce nouveau monde. La langue inconnue ou incompréhensible me semble alors appropriée pour lancer un jeu. Ce fond chanté inintelligible est peut-être encore expression de la nature hybride, artificielle du jeu vidéo, permettant une pénétration du jeu viscérale, précognitive. On peut aussi voir dans cette voix féminine de fond une idée japonaise de femme vertueuse d'arrière-plan, qui garde la maison, qui attend son mari, pilier de la société relégué aux chansons d'introduction, de fin et d'arrière-plan du jeu, fillette à sauver en fond de récit, qui attend le héros de Nier. La chanson peut faire ressortir un peu un personnage féminin, souvent peu en lumière dans le jeu, compartimenter la féminité, ou encore lui donner plus de place, rappeler au final que le leitmotiv était bien la princesse à sauver, clé de voûte narrative perdue de vue pendant l'action du jeu. Bref, par la chanson et la voix de femme, il peut s'agir de finir sur une note plus sentimentale, presque bonne conscience. Certes, on parle beaucoup de compositrices japonaises, mais je me demande si elles sont aussi nombreuses en graphisme, game design, etc. Les chansons à voix d'homme servent peut-être à dire l'action virile, l'action crue, dans Metal Gear Solid Revengeance, Sonic, Red Dead Redemption. La voix masculine peut aussi sans doute servir d'effet comique, mais si dans le jeu d'action Bayonetta, les chansons sont surtout féminines, même le Fly Me to the Moon de Sinatra, chanté par une femme, cela on l'a verrouillé depuis Evangelion, c'est que la fonction de la voix comme écho féminin du personnage l'emporte sur l'accompagnement brut de l'action, ou que la chanson allège l'ultra-violence du jeu, voix féminine plus mignonne, gentille, voix masculine sérieuse, archétype toujours, et archétype élargi peut-être à l'image nationale que l'on veut se donner. La chanson d'opening japonais à voix d'homme a aussi constitué toute une époque, avec Joe, Mazinger Z, etc. Et ce modèle shonen reste conséquent. Mais il me semble qu'il a peu à peu perdu du terrain, d'autant peut-être qu'aujourd'hui les séries ont aussi une visée internationale, et la virilité frontale met un chouïa d'eau dans son vin, politique nationale du Cool Japan oblige peut-être. Bref, en termes de propagande idéologique larvée, une image plus douce, féminine par la voix notamment, marche peut-être un peu mieux, avec éventuellement aussi l'idée de séduire un public féminin. Si en jeu japonais la voix est d'abord féminine, bienveillante, la chanson masculine, souvent assez orientée action donc, y est je crois plus vite en anglais. De même que la chanson du jeu américain est je crois globalement plus masculine, pas la même fonction ou façon d'atteindre le même but auprès d'un public ado masculin américain et japonais peut-être, en tout cas la question du genre, du discours et du pays peut se poser. On peut comparer par exemple Tales of Phantasia, RPG japonais de 1995, aventure shonen avec des filles, jeu plutôt adolescent à chansons féminines. Avec le jeu Global Gladiator, platformer américain de 1992, produit dérivé McDonald's sur le tard, action, gamin, garçon, slime, SOS fantôme, casquette, basket, etc. Les filles ne font évidemment pas partie de ce monde, donc on a là une chanson masculine. D'un côté, Global Gladiator, esprit trash à la Xenon 2. Kid américain rock glauque, hard rock,
avec des interjections qui définissent un champ émotionnel américain idéal. Ok, cool, alright, yeah. Il manque plus que fuck et god, mais bon, c'est un jeu pour enfants. De l'autre côté, on a donc Tales of, Mitsukete Your Dream, Va chercher ton rêve. Esprit adolescent shonen pop, lumineux, phrases articulées en japonais et anglais, morceaux au vrai développement dramatique, j'ai le sentiment que c'est le récit et la romance du jeu qui font la différence, avec un caractère design attitré à la franchise Fujishima, connu pour un travail focalisé sur les héroïnes, Ha My Goddess, etc. Le générique de Tales of Phantasia porté sur PlayStation souligne encore l'aspect romance et féminin, ouvrant sur l'héroïne en zoom et finissant sur elle en zoom arrière. La vieille figure de la déesse ou de la femme magique sauveuse du monde n'est, je crois, pas encore épuisée. Zone of the Enders collection HD joue encore de femmes nues magiques en position fœtale, produisant boules de lumière devenues raies verticales grâce aux mains d'un homme. Xenogears, Final Fantasy VIII, Parasite Eve, Silent Hill, Nier, Drakengard, Evangelion creusent l'idée d'enfanter un dieu via métamorphose, possession du corps d'une femme, éternel féminin et démon qui reprendrait toujours corps. Cette figure habite la production japonaise et par extension la chanson. Du côté des séries télé qui joueront sur une voix magique, dans 18 If, on parle de sorcière, Dev, une chanteuse muette en langue des signes est enfermée dans un rêve, et ce qu'elle dit sera écrit à l'image, on consacre l'épisode 9 à une idol, et in fine, ce sont deux idoles qui chantent ensemble pour détruire le mal et sauver le monde, etc., etc. Dans Akumei Tomikochi, la voix féminine permet d'entrer en contact avec les esprits. La voix féminine magique de Macross, Rags et Fonds, Drakengard 3, symbole religieux, panorama de fin du monde à la Evangelion ou Devilman, chanson comme arme de guerre, c'est peut-être aussi toute une idée de la sorcière ou de la sirène, figure du pouvoir féminin sans doute liée à la construction d'un imaginaire mâle hétérosexuel visant à expliquer le pouvoir de fascination, le désir envers les femmes. Dans l'idée de la sorcellerie, c'est à la fois la voix elle-même, expression de la nature de la sorcière, qui exerce un pouvoir physique, qui génère le désir par exemple, mais ce sont aussi les mots du sortilège, les termes ésotériques, la langue inconnue qui forme le cadre de ce pouvoir. La langue inconnue rapproche donc la chanson d'une idée de magie dont je crois le jeu vidéo très tributaire. Nier en est une bonne illustration. Parce que dans le monde de ces jeux, les mots sont maladies, investis d'un pouvoir ancien et magie en eux-mêmes. Ils sont incarnés, sanglants, assassins, et ils ont besoin d'un vecteur, ils ont besoin du corps et de la voix du héros, ou de la barde du village, d'Evola, sorcière qui habille l'intégralité du jeu. Le sortilège chanté, c'est aussi Liberi Fatali de Final Fantasy VIII et sa première phrase secrète, anagramme décrivant le jeu et son résultat même. La chanson en production japonaise de divertissement, ça peut aussi être l'idée d'Orphée, pouvoir de la musique sur les esprits, sur les animaux, le maître des enfers même, ou encore quelque chose de la chanson évangéliste, ou bien patriotique, de l'hymne, chanson résonnant d'éléments culturels japonais forts. Dans la célèbre série Macross, une chanson réveille les émotions enfouies d'un peuple et met fin à une guerre interplanétaire. Tout au long de la franchise Macross, chanson égale arme. L'amour gagne, mais l'amour à la japonaise, qu'est-ce que c'est? Dans Yuri on Ice, par exemple, amour égale aussi dépassement de soi et compétition. Dans le jeu Actraiser, la musique qui apaise les âmes et adoucit les cœurs fait cesser la colère de tout un peuple. Dans la bande dessinée 20th Century Boys, on dit qu'il est impossible, moralement mais presque techniquement, de tirer sur un homme en train de chanter. Bref, la chanson ou l'acte de chanter peuvent relever ici et là du pouvoir magique, notamment salvateur, même si, comme déjà évoqué, on trouve aussi la voix maléfique du folklore ninja ou démon japonais à la voix créant un état second chez sa victime. Yuki wa atatakai. Kori wa atsui. Macross Plus explore par exemple la voix hypnotique, voix composite d'une virtual idol manipulant les foules. メンタルフィードバック良好。
La chanson au Japon, c'est aussi la question sociétale du karaoké, l'idée de chanter pour souder un groupe, c'est par exemple évoqué dans Hinamatsuri. Et c'est donc aussi la question des idoles, avec l'idée de pureté, le scandale de celle qui a une vie sentimentale et sexuelle pour une partie de la population, enjeu dont le film Perfect Blue parle par exemple. Je ne sais pas s'il y a un lien entre Minmay de Macross et Mima de Perfect Blue, mais le groupe Macross 82-99 a sorti un album nommé Cham, du nom du groupe de Perfect Blue, avec un morceau nommé Perfect Blue. Je ne suis donc peut-être pas le seul à voir une continuité dans la fascination pour la chanteuse et pour sa voix quasi magique. Et de fait, c'est encore aujourd'hui un motif de la série Caligula en 2018, avec chansons employées à mauvais escient, abusant la candeur d'une chanteuse, voix qui traverse les réalités, qui construit un monde artificiel et qui hypnotise la population, ou la fabrique même. Le générique de fin s'appelle Hypno. La chanson fait partie ici du monde du rêve, contre l'idée de la réalité et du réveil. De même, dans la série 18 If, avec un monde des rêves qui met en danger la réalité, dans lequel une chanson féminine permet encore de nous sauver tous. Il s'agit parfois de chanter et ou de trouver la bonne fréquence, dans Rags et Fonds par exemple, pour ouvrir une brèche dans la réalité. Quoi qu'il en soit, on prête à la chanson et à la voix un pouvoir créateur, pacificateur, destructeur ou magique. Dans le film d'Escaflowne, lorsque deux mondes se connectent, l'instant est marqué d'une chanson dans une langue imaginaire. Dans Gasaraki, c'est une danse no et son chant qui connecte les mondes. De fait, l'attribut magique, hypnotique de la chanson en production de divertissement japonaise, hérite sûrement de traditions religieuses, du chant psalmodié, des litanies du théâtre no. Bref, les sources folkloriques sont à envisager, mais on l'a vu, la chanson du jeu nippon est assez ouverte au monde, si le jeu occidental propose surtout des chansons anglaises. De son côté, le jeu nippon offre vite des chansons non japonaises, mais peut-être pas juste par mondialisme et exotisme, et je vais m'arrêter ici sur la chanson en langue imaginaire. Je partirai de la vieille idée que l'on doit en partie le succès mondial des Beatles à la langue anglaise, qu'on ne comprend pas tous. Strawberry Fields Forever, traduit, perd beaucoup de son charme, certes. Lorsque dans Shenmue 2, l'héroïne Joy parle chinois face au reste du jeu parlé en japonais ou en anglais, ça ouvre le champ du secret, l'imaginaire du joueur, et c'est un mystère différent de celui d'Ico, à la langue de l'héroïne inconnue au long cours, tout un sens caché du jeu, objet d'arrière-plan face à l'image et à l'interaction, la langue étrangère exacerbe le mystère, moteur clé dans l'envie de jouer, je pense. Par exemple, lorsqu'on est enfant, chacun d'entre nous peut comprendre un générique de dessin animé très différemment. Je connais diverses interprétations des Tortues Ninja. Kowabunga 2000 des ninjas, Kowabunga devenir des ninjas, qu'on combattra le crime des ninjas, l'original étant Kowabunga le cri des ninjas. Poésie des hallucinations auditives, dénuée de sens manifeste, la chanson en langue imaginaire, c'est un peu la même chose. Ça devient un imaginaire approprié lorsque dans le jeu, la langue incompréhensible ou à moitié écoutée pénètre le joueur. Le jeu fait alors un pas à l'intérieur du joueur, et le joueur un pas dans le jeu. Intérêt à ne pas comprendre, mystère virant intemporel, architecturé, la langue étrange accroît l'effet d'aventure, le véritable saut dans l'inconnu, exotisme forçant l'oreille à travailler, on retient quelques mots, on les interprète, ça investit le joueur créativement, son lien au jeu en devient plus intime. La langue imaginaire est un tribut de l'enfance, nombre d'entre nous ont inventé des langues étant gamins. Dans le plan de ville idéal du très Peter Panesque Max et les Maxi-Monstres, Max propose de créer un langage à eux. Maîtriser la langue est un rite d'initiation. Secret partagé fédérateur. En l'occurrence, rapporté aux jeux vidéo, elle permet peut-être de faire un peu plus corps avec l'œuvre. Au-delà de la création d'ambiance, la langue inconnue est donc éventuellement un outil d'immersion, appropriation, identification assez démocratique, dans la mesure où personne ne comprend, à l'instar du théâtre voulu par Pasolini tellement aigu et inaccessible qu'il en deviendrait équitable.
ICO, Final Fantasy X traduiront leur langue imaginaire sous certaines conditions, après un certain temps de jeu et ou d'initiation par exemple. Panzer Dragoon Saga pose sa langue imaginaire à l'entrée du jeu et du monde, puis on repasse au japonais et à l'anglais en faisant renaître le héros via l'âme du joueur, passant alors au jeu jouable après une introduction linéaire en langue imaginaire, initiation presque méta. La langue opère comme cadre structurel, porte du monde fermée, puis contexte compréhensible lorsque les mots le deviennent enfin. Si la langue est clé de voûte d'un univers, repère, alors commencer dans l'inintelligible est peut-être un stade plancher, avec évidemment aussi le silence, en vue d'une immersion progressive. La langue imaginaire est peut-être une façon de rentrer de plein pied dans l'inconnu, avec la brutalité de l'écran, du périphérique, mystère comme point de départ, dont le shonen fait ses choux gras en générique d'intro, Nadia le secret de l'eau bleue, Pokémon le secret de leur pouvoir, etc., etc. Le caractère inintelligible de la langue est sans doute riche d'effets, fascinant, hypnotique, surréalisme, quête de sens par bribes sonores, limbes étymologiques, cette littérature profite de l'insaisissable et aide peut-être à mettre le joueur en état de réception intuitive, un peu plus porté sur le réflexe, l'intériorité, en symbiose avec le jeu. Le Seigneur des Anneaux est un exemple célèbre de langue imaginaire révélée, compréhensible par le lecteur s'il veut apprendre, et argument de crédibilité de son monde. Mais mieux que la langue imaginaire traduite, créant un sentiment de confidence, il y a la chanson de langue imaginaire sans traduction des créateurs ou paroliers, à l'exemple du jeu Nier sur lequel on va s'arrêter. Mais ça sera dans l'émission suivante. Merci d'avoir suivi cette partie et à la prochaine.